Hello tout le monde, c'est Testeur de jeu pas cool. Bon, aujourd'hui, je vais tester un jeu qui s'appelle Penalty Shootout 2012. Donc ça parle de l'Euro 2012. Et puis, il faut faire des penalties tout simplement. Bon, ben, allez, à tout de suite. Hello tout le monde, c'est Testeur de jeu pas cool. Bon bah aujourd'hui on va jouer à un jeu qui s'appelle Penalty Shootout. Ça parle de l'Euro 2012. Ne vous moquez pas, je suis démodé, je sais. Mais je l'aime bien, l'Euro 2012. Enfin non, pas tant que ça. Donc je vais prendre une équipe, les poules sont bien sûr pas bien faites. Alors je vais prendre la Hollande. Donc ok, tout d'abord je joue contre la Pologne. Donc en fait, il y a un indicateur en bas. Je dois cliquer et ça va me dire que la balle va aller où j'ai cliqué, où il y a la balle. Puis après, c'est la hauteur. Là, c'était la verticale, là, c'est la hauteur. Donc je vais la mettre au centre. Et ensuite, là, c'est la puissance. Je vais pas du tout bien la doser. Comme ça, il l'aura dans le cul. 1-0. Tac, de son. Puis après, il y aura la... Merci, il y a le tuto. Là. Il nous dit d'appuyer, voilà, j'ai appuyé. Mais des fois, il y a un truc de timing où en fait, faut bien appuyer. Donc voilà. Donc on va faire l'euro avec vous, allez. Donc faut tirer tous les pénaltys et tous les rattraper. Mais si je m'en prends un, en fait, à la fin, c'est le résultat qui compte. Mais comme j'ai mis le 3 à 0 pour le moment, si je rattrape le prochain, il aura perdu de toute façon. Voilà, le timing, parce que si j'avais appuyé trop tôt, ben, il aurait plongé trop tôt le gardien, et puis ça serait pas bon. En fait, quand on met une balle trop haut, et que on met pas la puissance, ça va faire un lob un peu, et puis le gardien a beaucoup de peine à la rattraper. Comme ça, par exemple. Mais là, il doit avoir. Il a toujours pas capté le truc. 5-0 pour le moment, et on voit le score là. Ah dommage, mauvais timing. Donc maintenant je vais jouer contre la Russie. Donc allez, tac, 1-0. Ah, je regardais quelque chose d'autre. Pourquoi la Hollande? Parce que c'est une équipe que j'aime bien. Mais bon, les joueurs ils sont tous les mêmes de toute façon. Toujours un blondinet. Rien contre les blondinets, mais bon. Les blonds, si vous préférez. Les blonds. BLOND. Tac. Il a plongé du mauvais côté, le con. Donc, voilà. Joueur. Il écrit bien joueur. Pour qu'on sache qui nous sommes. Allez. Pas. Et voilà. Donc, si je rattrape ce penalty là, j'aurai gagné. Sans. Oh non. Là, si je le réussis, j'ai gagné. Allez, allez, yes, c'est bon, gagné. Pour le moment, j'ai raté aucun penalty dans toute la compétition. J'espère ne pas me faire sortir trop rapidement. Là, normalement, je suis premier. Et ça va de plus en plus vite à part ça. Les trucs, ça va à gauche, à droite, à gauche, à droite. Selon le stade où on est. Enfin, pas stade, le dôme, enfin, le truc. Non, c'est. Par exemple, si je suis en quart de finale, ça change. Ça va plus vite que la première phase de poule. Waouh, pire. Allez, marque-moi. Il va la marquer, celui-là, j'espère. Tac. Une bonne panenka. Ouais, bon, ok, j'ai rien dit. Une panenka au sol, ça n'existe pas. Ah, lui, par exemple, il a pas dosé son truc et donc. J'avais pas le bon timing. C'est bon, j'ai gagné. Bah, s'il marquait les deux autres goals là, de toute façon il n'arriverait pas à 4. En plus il a pas marqué celui-là, alors voilà. Pour le moment, c'est un sans faute dans les phases de poule. Mais maintenant, faut voir. Ouais. Le truc est important là. Donc allez, je joue contre la Croatie. Oh merde. Bon ben là il n'y a plus de perfect. Il a rattrapé le croate. Moi aussi je l'aurais rattrapé.
Bim! Yes. Allez. Ouais, lui, il les fait un peu sur moi, donc c'est tout bénef pour moi. Donc je dois bien avoir le timing là. Je la mets tout en haut, mais pas en puissance. J'utilise toujours la même stratégie, mais un jour je la mettrai avec un peu plus de puissance. Oh. Là, par exemple. La puissance. Bah! Cool! C'est plus stylé, ça va plus vite. Mais bon. C'est moins stratégique. Yes! J'ai gagné. Parce que, de toute façon, s'il marque son goal, il n'arrive pas à 3. Yes. Ni à 4. J'ai raté un seul, lui, il en a raté 3. Donc, s'il en rate plus que 3, c'est fini. Donc, l'Irlande est là. En demi-finale, ce qui est très, très bizarre. Donc voilà, pas 1-0. Donc allez, 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 allez. Oh. Au moins, on sait que c'est plus simple que dans FIFA. Oh mince. Ouais, voilà, raté. J'espère pas perdre. Yes! Et c'est le gardien qui s'est sacrifié. Tac. Enfin, le seul truc. Niveau des couleurs, c'est toujours les maillots. C'est. Ils ont toujours la même coupe de cheveux. Par contre, les maillots, selon le pays où on est, que nous avons pris, ils changent. Donc, par exemple, si j'ai pris la France, il sera bleu. S'il rate ce penalty, il a perdu le match. Ouais, c'est bon. Ah, ça doit faire mal quand même, entre les jambes. Bref, allez. Oh, yes! Le bon penalty. Yes! On est en finale! On est en finale contre l'Angleterre! On est en finale! On est en finale! Allez, allez, tac! Goal! 1-0! Allez, la finale, on doit la gagner! Ouais, c'est bon! 1-0 toujours! Allez, la finale, on va la gagner! 2-0! Yes! Yes! Toujours 2-0. 3-0. Si je rattrape celui-là, j'ai gagné le match. Champion d'Europe! Champion d'Europe! On est les champions! On est champions! C'était quoi ce tir? Du futur! C'est pas grave, c'est pas grave. On a gagné. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, à la prochaine. Allez, allez. Rate le penalty quand même pour la gloire. Et mince. Mais on a gagné. On a gagné. On a gagné. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à la prochaine. J'espère que cette vidéo sur ce jeu vous a plu. Et puis, si ça vous a plu, pouce vert. Bon, bah, à la prochaine.